Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Crooks The Big Heist. Je sais pas dire et on s'en fout. Bref, donc aujourd'hui on va attaquer la troisième mission qui est... le facteur cogne deux fois. La dernière fois on s'était laissé... j'avais un peu galéré sur secret en bobine. Donc j'attends de voir ce que ça va donner ici. C'est une mission que je n'ai pas encore accomplie. Donc je ne sais pas du tout ce qui en retourne. Et ça promet d'être très sympa. Allez, go! Les images sont tellement cool. Si je vous aide contre Murray, je veux que vous rendiez visite à Julian Ortega. Vous vous introduirez dans son domaine pour laisser une lettre dans son bureau au premier étage. Ortega, le bonhomme de neige? C'est une grosse pointure, mais pourquoi tous ces efforts? Ses méthodes commencent à agacer sérieusement mes voisins. Alors je veux lui faire comprendre que je peux l'atteindre quand je veux, si je l'estime nécessaire. La baraque a l'air pas mal du tout. L'entrée principale de chez Ortega est mieux gardée que Fort Knox. N'espérez pas passer par là. Le mieux, c'est de remonter l'allée pour emprunter l'entrée latérale. D'accord. Ça peut valoir le coup aussi de faire un crochet par la piscine. Il y a une autre entrée à côté. Ah ouais, là. D'accord. Mais il y a une caméra. Ortega aime les coffres forts. Cherchez les clés qui vont bien. Elles sont forcément dans le coin. Okay. Les pros n'ont pas besoin de clés. J'ai l'impression qu'on peut aussi passer par l'entrée de service. D'accord. Ah! L'escalier est dans le hall de réception. L'intérieur est bien sécurisé aussi. Dans la salle à manger, il y a un interrupteur qui se réinitialise après quelques secondes. En tout cas, faites attention entre la salle à manger et le hall de réception. On l'a sorti. Une fois en haut, vous déboucherez d'abord dans une salle octogonale. Ouais. Dedans, il y a des interrupteurs qui ne fonctionnent que dans un ordre précis. Par la suite, ce ne seront pas des interrupteurs on-off classiques. Ça va être compliqué, je le sens. Souvenez-vous, la porte du bureau d'Ortega ne s'ouvre que de l'intérieur. Ah bon? Laissez le message sur son pupitre. Ensuite, vous vous échapperez par le balcon. Vous surveillerez aux jumelles. Mais je suis sûr que vous ne me décevrez pas. Ah oui, la sortie est là. D'accord. Putain, mais le mec, il a aussi une piscine là, quoi. Oui, hein. Il est friqué, le gars. Bon, bah ça promet, hein. Ça promet grandement. Ouais, ça va galérer. Ça va grave galérer. Donc pendant que lui... Ok, là il y a une caméra qui vient là. C'est accessible ici comme ça. Prendre le pied de biche. Lui, il fait que ça. Coffre-fort. Ok, oh là là, ça va être compliqué. Ça, ça débouille ça et ça, d'accord. Il faudrait peut-être du coup commencer. Il faudrait que je rentre là. Crochet. Il n'y a personne. Donc peut-être commencer à venir ici. Après, ça me paraît un peu compliqué. Lui fait un tour comme ça. Lui il va jusque là. Donc il serait qu'ici on est bien en fait. On est protégé. Ouais. Là on peut passer. Quand il tourne le dos, on peut aller par là, d'accord. Et du coup, rentrer. Là il y a un pied de biche, on peut rentrer par ici. D'accord. Ça va être chaud. Ça va être chaud les marrons. Alors, on va choisir, bien sûr. Et quand vous voulez. Et maintenant, toi. Oui. Ok.
Ok, on va les équiper. Toi, on va te mettre des semelles. On va te mettre de chloroforme. Toi, on va te donner une pilule, des semelles. Et je prendrais bien ça. Parce que elle, je lui donnais deux pieds de biche et un brouilleur de caméra. Je vais mettre un chloroforme aussi. Je sais pas, je vais voir. Voilà, j'ai mes petits bonhommes qui sont prêts à rentrer. Ça risque d'être sympa. Hein. Je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. Il y a un chloroforme ici aussi. C'est pas grave, j'ai dépensé des sous. Objectif. Premier objectif, c'est d'aller là. Bon. On va essayer. Je le dis et je le répète. Une fois en haut, attention à cet interrupteur à minuterie. Ouais. Il est où lui? Il est là. Ok. Donc tu vas aller là. Tu vas aller là. 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 Ouais, ça veut pas parce qu'elle en a déjà un, c'est ça. Inventaire saturé. Ok, bah c'est pas grave. Au pire. Seulement ici. Ok. Bon. Elle va faire tout ça. Au travail. Toi, ça va être la même. De toute façon, lui, il est là. On a le temps. Il va aller jusqu'ici. Ouais. Tu vas jusqu'ici aussi. Bon, allez, on va s'y mettre. J'avoue, je suis pas rassurée. Hein. Parce que là, le gars... Il est là. Son champ de vision, ça va. Non, je peux encore les faire passer. Une serrure à crocheter ? Ouais. Ça va barder. Oula, non, toi, t'es trop près là. Faut pas non plus qu'il soit dans le champ de vision du gars. Ouh, mais. Vite. Oh la vache. J'ai eu peur. Ok, Bishop. Prêt. Tu crochettes ça, s'il te plaît. Alors déjà, si j'arrive à te positionner. Tu crochettes. Voilà. Coureuse parée. Ma belle, tu vas là. Pour l'instant, on est bien. Lui, est-ce qu'il voit à travers la fenêtre ? Je pense pas. En tout cas, c'est ouvert. Tourne le dos. Ok. Toi, tu vas aller là. Oui. Donc, toi. Prêt à en découdre. Voilà. Ok, et là l'inventaire. Putain, est-ce que j'ai mis trop de choses dans l'inventaire? Qu'est-ce qu'ils disent à chaque fois? Ok, bon, en tout cas, on a désactivé les deux trucs. Ah, c'est celle-là. Ok. Là, le chloroforme, bon ben, je savais pas en fait que vous pouvez acheter et puis après que c'était quand même gratuit à l'intérieur. On va crocheter là, Bishop. C'est quoi, le topo ? Tu vas crocheter ici. Ah, à chaque fois, je clique pas bien. Tu vas crocheter. Du coup, là, ça sert à rien.
attendez, je réfléchis quand même. Hein. On a dit qu'il pouvait rentrer par la piscine. C'est ça la porte ? En tout cas, ouais, y a des sous ici. Là, il y a des caméras. C'est pas gardé, hein, ici. Elle est super sympa, la piscine, putain. Je vais envoyer Cocotte, là. Cocotte, elle va aller choper les sous. Ouais. Ça va barder. Tiens, viens là, toi. Ah, si, ça y est, il utilise un chloroforme. Serrure accrochée. Voilà, elle revient. On y va. Parce que je sais pas dans quelle mesure lui il voit à travers les fenêtres. Non, alors. Voilà, eux ils sont en sécurité ici. Lui il est toujours capoute. Là on a ouvert la porte. Alors. La caméra ici, c'est relié là. Il faut rentrer. En fait, faut rentrer là. Bah, ils vont tous sortir alors. Ils vont tous sortir. Ouais. On va tous y aller. Oui, alors bah. Oui, non, mais j'avais cliqué sur toi, Cocotte. Tu peux pas aller là, c'est ça? Ah, parce que c'est bloqué à cause du truc. Donc, faut... comment veux-tu rentrer, du coup? Faut désactiver ça avant. Et il faut aller là. Ah, mais il faut aller... D'accord, il faut passer par ici, en fait. J'avais pas vu ça. Ouais, mais on peut pas y passer. Mm-hmm. Ouais. Tu vas chercher la clé. Au moins, ce sera fait. Vas-y. J'attends. Vas-y, barre-toi. Mais arrête de le frapper. Ça, pour l'instant. Voilà, on a notre petite bande ici. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Je vois pas. Non, en fait, faut ressortir pour arriver là. Y a pas de... La caméra, elle est désactivée exprès, donc en fait, non, j'ai fait venir pour la... Pour rien. On va ressortir. Il est où, le mec? Il est là-bas. Bon, alors, du coup, on va tous aller là. Vaste. Au travail. Allez, go, les enfants. Ok, on est bon. Lui. Et maintenant. Toi, tu vas venir jusque là. Attends. Tu vas venir jusque là. Allez. Par contre, il faudrait que tu te dépêches, mais ça devrait le faire. Non, c'est bon. Oh là là! Il m'a chié dessus! Impossible de mener à bien cette mission. Ah oui, il en a plus.
Si. Bah, je comprends pas. Oui. Voilà, on est ok. Vas-y, tu vas me puncher ça. Je suis prêt. Toi, tu y vas. Coureuse parée. Mais il y va pas, ce con. Ça va barder. Il peut pas? J'ai pas compris. Merde! Bah maintenant je peux, je comprends pas hein. Es-tu arrivé? Oui? Je suis arrivé! Oh, c'est bien. Ça y est. Ok, et en face, nous on a un mec. D'accord, bon. C'est compliqué, hein, je vous le dis, moi. Ça, ça se déclenche. D'accord. Oh là là. Tout est fermé. Ici, il y a une clé. Parce que lui, il arrive, en fait. Donc, mais il est pas dans le champ de vision. On sera pas dans son champ de vision. Donc il y a moyen qu'on entre. Alors? Oui. Allez. On fait quoi maintenant? Je suis arrivé. Vas-y. Allez, arrête de le frapper, on a compris. Il est reparti. Je vais attendre qu'il rentre. Voilà. Le chemin est libre. Bishop, tu vas crocheter. Est-ce que lui logiquement on va attendre qu'il s'en aille le garde. C'est bon. Ouais. Donc toi tu vas venir là. Oui. Et toi aussi. Alors nous sommes en sécurité ici. On va pouvoir venir désactiver Bishop. Tu des crochettes là. Go. On sera tranquille au niveau de la piscine. On y va. J'ai dû rêver. Attends. Que comme le garde est là, il peut l'entendre en fait. Il y a plein de trucs là à faire. Vas-y, tu peux crocheter. Parce qu'en fait, il y avait l'onde de répercussion. Il aurait pu entendre le garde, donc ça craint. Allez, voilà, on a récupéré des sous. Toi, tu vas crocheter ici aussi. Bon, on avance un petit peu. Là, il y a une clé à aller choper. Mais pour aller choper... Ah bah non, on peut passer par là. Non, 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 non. Tu es bien mignon, Bishop. Tu vas crocheter là. Ça va barder. Toi, mon gars... C'est ce truc-là. À la limite... Là, c'est la sortie. Ah ouais, on peut pas. En fait, il faut désactiver et c'est là-bas, d'accord.
Donc il faudra quand même aller désamorcer le gars. Ici, je sais pas trop ce qu'il y a à faire, il y a rien à prendre. Ah si, si si, d'accord. OK, j'ai compris. Bon, alors Bishop, tu vas crocheter un peu en premier. Tu vas crocheter là-bas. Une fois que t'as crocheté là-bas, tu vas venir ici. Non, 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 mon gars, non, mon gars. T'es où? T'es là. Ah putain, mais... Ah les bâtards, ils mettent des trucs pour bloquer l'accès. En fait, on peut pas passer par l'extérieur. Ou alors l'extérieur devant. Oui, mais il y a une possible là. Donc on est obligé de repasser ici et de choper le garde. D'accord. Mais ça c'est mon catcheur préféré qui va le faire. Ouais t'inquiète mec. Tu vas aller là. C'est quand vous voulez. Toi tu vas aller là. Oui. Bishop tu vas aller là. Voilà, déjà vous allez vous positionner. Et maintenant. Dès qu'il tourne le dos. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il le prend pas. Ouais. On est OP ? Non, hein ? Mais on va perdre à cause de lui, hein. Vous voyez ? Voilà, mets-toi là et t'attends qu'ils reviennent. Et dès qu'il revient, faut que je sois au taquet. Vas-y, go! Coureuse parée. Coureuse parée, et ma coureuse, elle va. Ouais, on découdre. Voilà. Mine 2. Ok. Ça a désactivé donc. Ouais, ça a pas encore désactivé. Alors ? Désactive temporairement le système de sécurité en se réalise au bout de 5 secondes. Oh, c'est chaud ! Merde, lui il se réveille. Et maintenant. Ouais, c'est chaud parce que. Ça veut dire que les deux. Il faut qu'on aille. Ça a été désactivé. On peut aller dans la chambre. Mais est-ce que on a besoin d'aller dans la chambre? Non, il faut juste qu'on se barre maintenant. Mais elle aura jamais le temps de partir en fait, parce que même si elle est méga rapide. Ah non, attendez. Bishop. Il va crocheter là. Comme ça, elle pourra se barrer. Les portes seront décrochetées. Bon, d'ailleurs, il faudra qu'il crochette là aussi. J'attends. Ouais, tu peux. Vas-y. Fais-toi plaisir, hein, franchement. Faut lui découdre. Prêt à en découdre. Parce que elle pourra partir par là, en fait. Et il faudra
Qu'il y en a un qui crochette ici, qui appuie ici pour qu'elle puisse rentrer par devant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça va être compliqué. Il lui met chloroforme sur la gueule. C'est bon, Bishop? T'as tout des faits? Bah, c'est parfait. Le garde là. Ouais, faudrait qu'elle court et tout. Les caméras sont plus en faction. Est-ce qu'elle peut passer dans les fourrés? Je suis pas sûre, mais on se cachera derrière les fourrés. Bishop! Ouais, mon gars, tu vas venir. Là. Oui. Et toi aussi. Ça va être tendu du slip, hein. J'espère que j'ai pas merdé. Hop, je te marche dessus. On y va. Elle va désactiver encore une fois le truc. Allez, on se dépêche. Allez, on se dépêche. Hop. C'est quoi le topo? Hop. Et elle, quand vous voulez. Tu vas te barrer par là, ma belle. Direct. J'espère que ça va fonctionner. Oui. Oui, mais casse-toi, meuf. C'est juste un petit contretemps. Mais meuf, barre-toi tout de suite. Voilà. Ouais, je me fais peur. Pour l'instant, ça va. Hein. Je suis discrète. Je suis pas. Je suis perdu mon incognito-nité. Mon incognito-nité. Tu vas prendre ça. Inventaire saturé. Bon, d'accord. Et après, ça va être le mec ici. Tu vas venir jusqu'ici. Pendant ce temps-là... Ah oui, mais c'est toute une organisation. Hein. Pendant ce temps-là. On va dire que Bishop, il va appuyer là. Pour désactiver. D'accord. Attendez. État activé. Je dû rêver. Mais pourquoi il active? Ouais, on est OP. D'accord. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Tu vas là. Toi, tu vas là. Et maintenant, j'ai plus que Cléopâtre à m'occuper. Le mec, il arrive. J'ai pas intérêt à me gourer. Voilà. Oui! Yes! Oui! J'ai terminé! Oh la vache! Ah, c'était chaud! C'était chaud! Les marrons! Franchement, non, alors que je mette pas en route, alors que. Faut que j'analyse tout ça! C'était déjà chaud le premier le rez-de-chaussée. Ici. D'accord. Ah, il y a une mallette à choper ici. D'accord. Alors ici... Ah, c'est fameux le truc... qui se réinitialise, ça. On y va. Écoute, vas-y. Mmh.
Ah ouais, en fait, il va falloir avancer. Comment ça fonctionne? Là, un libre et là, il est pris. Donc, à mon avis, c'est inversé à chaque fois. Donc, en fait, là, il faudrait que je fasse avancer Bishop. Donc, je vais faire avancer Bishop. On va faire avancer Bishop. Là, alors elle va réactiver le truc. Voilà. Oui. On va refaire avancer Bishop. Là, oui, elle va redésactiver le bazar. Voilà, Bishop va pouvoir avancer ici en toute sécurité. Ok! Ah, ça c'est bon ça. Oh merde, il y a le garde. Alors du coup, meuf. C'est quand vous voulez. Ouais. Va falloir être discret les gens. Ouais. Te penche pas trop Bishop, tu vas nous faire prendre. Alors lui, il va jusque là, d'accord. Donc là, il y a une porte qui est juste fermée. Elle ne s'ouvre qu'avec les interrupteurs. Là, c'est le bureau. Là, il y a un pied de biche. Ici, il y a des sous à choper. C'est une petite serrure à crocheter. Ah, il y a deux gardes ici. Lui, il fait une méga garde sur le balcon. Je vais attendre que les gardes soient le dos tourné pour envoyer déjà les premiers ici. Tandis que ma petite coureuse va... je vais essayer... ah non, je vais crocheter en fait. Je vais faire crocheter par Bishop. Je suis prêt. Dès qu'il sera parti. Alors ? Toi, tu vas activer là. C'est quoi le topo ? Oui ? Ça va barder. Ok. Ouais, tout le monde à l'intérieur. On y va. Au moins ça c'est fait. Il y a trois trucs à faire là. Je pense que c'est C'est bon, ça serait une Alice Elise, hein. Je dis pas de conneries. Non, c'est bon. Viens là, ma belle. Ok. Là, on va y aller aussi pour désactiver. Bah, écoute, tu vas y aller, ma belle. Bon. Et maintenant. Ok. On en est bien. On est bien, on est bien. Maintenant. Là, c'est le garde qui est ici, d'accord. Ce qu'il faut, en fait, c'est rentrer là. Il faut désactiver l'interrupteur. Là, je suis un peu paumée. La piscine, elle est accessible que
par le bureau. Ah, une porte à crocheter là. Mais cette porte là, j'ai pas l'impression qu'on puisse l'ouvrir en fait. Il y a combien de gardes? Lui il fait... Ah ouais, il fait tout le balcon. Je vais voir comment ils évoluent. C'est quand vous voulez. Vaste. Oui. Non, il peut rien faire. Coureuse parée. Non, mais c'est ça. Il peut. Comment ils peuvent accéder à cette porte? J'ai pas. Là, par contre, j'ai pas compris comment on fait. Ta-da-da-da, ta-da-da. À mon avis, ils doivent aussi. On peut aller par là. Y'a rien à faire ici, c'est la truc de jeu. À part décrocheter la serrure ici. Et ça, on va attendre que le mec soit parti. Comment on va faire? Oh là oh. Je suis un peu paumée, je vous le dis, moi. Ah bah... Au travail. Merde. Non. C'est pas la bonne idée du siècle. Oh là là. Je vois pas... Je vois pas comment... Comment résoudre cette chose? Parce que lui, il arrive après. Ah non, 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 là, je suis bloquée un peu quand même, j'avoue. Fuir par le balcon. J'ai trouvé qu'un seul trésor sur 3. Je vois pas où sont les autres. C'est très long, hein, par contre. Ça, c'était désactivé. C'est vrai que j'ouvre cette porte. Bah ouais, faut que je. On va me neutraliser celui-là quand il sera là, parce qu'il sera pas visible de son collègue. Non, il va pas réussir. Et vous ? Je suis arrivé. Ça, on est bien. L'autre, il revient. Il s'en va. Bishop! J'ai oublié tout bêtement que je pouvais assommer les mecs. Voilà. Ça, c'est fait! Mais le mec va revenir. Ah mais oui, il faut juste rentrer par le balcon. Ah, ça y est, j'ai compris. Bishop, tu peux s'il te plaît ouvrir cette porte là avant que le mec revienne. On fait quoi maintenant?
c'est ok. Alors, du coup, tu vas te remettre ici. Et pendant que lui, il est là-bas, et lui, toujours dans les vapes. Il veut pas. Ouais. Oh oui. Viendez là, mes enfants. Oui. Oh, ah putain. Ah, il faut qu'il le punch. Je suis prêt. Voilà, il l'a chopé. Je suis là. Mais franchement pas rapide le Bishop, hein. Mais même quand... Je sais pas comment lui faire prendre sa pilule. Et alors, une fois qu'il a crocheté... Alors ? Ça va, le mec, il est loin. Elle... Elle va ouvrir là. Au travail. Comme ça, le catcheur, il va pouvoir venir ici. Oui, 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 oui! On est bon, on est bon! Yes! Putain! Quoi, tiens, Bishop, tu vas mettre... C'est quand vous voulez. Hey oh, ce n'est pas mon domaine. Hein? Merde! Je me suis fait avoir, mais non! Vas-y, punch-le! Je vais aller en découdre si nécessaire. Oui. Alors? Ça va barder. J'attends. Oh oui! Oui? Oh oui! Oh oui! Je suis arrivé! Go, viens! Viens, mon catcheur, viens! Ah putain! Yes! Ah, je suis contente, j'ai un peu galéré. En même temps, c'est normal, hein, c'est. Voilà. C'est fait pour réfléchir et tout. Putain, j'ai pas merdé une seule fois. Je suis hyper contente. Pas vu, pas pris. Succès déverrouillé. Yeah, baby. Bon, voilà, 15 minutes quand même. C'était long. J'ai beaucoup réfléchi parce que c'est exactement... C'est comme ça qu'il faut faire. On a eu que 3 sur 7 valises. C'est pas terrible, hein, quand même. Mais j'ai pas merdé, quoi. Donc, je suis trop contente. Fouh. 4500 de récompenses, outils vendus. Ok, argent volé. 1000 quand même, ah, c'est pas mal. Faut de 20, 404. Bon, et ben moi je dis c'est une étape qui roule, quoi. Enfin, j'ai réussi cette putain de mission qui était quand même encore plus compliquée que celle d'avant. Bien sûr, ça va monter en complication. Nouvelle compétence pour Cléopatra Féline. Nouvelle étude. Ah, des charges explosives, oh trop bien. Ah, ça va être vraiment trop sympa. Donc c'est normal que ça va monter en difficulté, hein. C'est vraiment le jeu, et c'est ça aussi, c'est bien, ça évite que ce soit trop monotone. Après, vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Il faut réussir à accorder tous les personnages avec leurs spécificités pour réussir et réfléchir à comment, quand est-ce qu'il faut le faire avec, selon les gardes, selon la machin. Moi, franchement, j'adore ce jeu, quoi. Merci pour tout. Je pense que Monsieur Ortega ne va pas tarder à revenir sur ses dernières décisions. Ah, vous voulez que Murray trinque? À la bonne heure. Qu'est-ce que ce vieux Césaré peut faire pour vous? Il nous faut des infrastructures. Une société factice et du matos à San Quentin. Plus des infos sur le directeur de la prison. Oula. Encore une chose, on a besoin de Lobkowitz. Je continue à me méfier de cette pipelette. Pourquoi Lobkowitz? Pour qu'on s'évade de San Quentin. Vous voulez vous faire coffrer et vous faire la malle? Comment au juste?
C'est énorme, on va être en prison. Un document, un peu de chantage et un truc appelé bureaumatique. C'est le dernier cri. Bureaumatique. Des fiches virtuelles qui s'affichent sur un écran et qu'on remplit avec une sorte de machine à écrire électronique. Ouais, eh bien moi honnêtement, je pense que c'est une invention sans avenir. Et après, les vraies fiches sont détruites. C'est ce qu'a dit le commissaire dans son dernier discours. Ça a fait sensation. Les ordinateurs, c'est son truc. Ça confine à l'obsession. On va accélérer le processus, faire chanter le directeur pour qu'il se taise et détruire notre casier. Ben, c'est pour ça qu'on a besoin de l'Opkovitz. Oh là, doucement. Expliquez-moi plus en détail. Pas contre compris, là. Ah, notre ben voilà. Plan a eu du mal à convaincre Don Cesare. Heureusement que j'ai du bagou. Murray pensait nous avoir matés. Il savait qu'on resterait pas la bouche en cœur à le regarder nous soutirer la pierre de lune. On sentait que Murray tuyauterait les flics pour qu'ils nous prennent la main dans le sac avec la pierre de lune. Il avait bon dos, le foie de voleur. Et c'était justement ce qu'on voulait. On allait s'introduire dans le musée, échanger la réplique contre la vraie pierre de lune, puis déclencher l'alarme et attendre l'arrivée des flics. Il fallait faire croire à Murray qu'on s'était royalement planté. Pendant ce temps, j'emporterai la pierre de lune loin de Murray. Ensuite, je jouerai les godiches éplorés, du style « Oh là là, je fais toujours tout de travers !» Avec les larmes et tout. Pendant que Murray fêterait sa victoire, Cesare et moi ferions évader les autres pour commencer à préparer ensemble notre revanche. Pour jouer les filles de l'air, il nous restait un atout dans la manche. La vraie difficulté, c'était de masquer nos traces. Murray avait des amis au commissariat. Le casse serait porté à notre casier. Les membres de l'équipe seraient tellement connus que même les matons seraient capables de les identifier. Il y avait plusieurs points pour lesquels on avait absolument besoin de l'Opkovitz. Alors lui, on savait que le commissaire voulait informatiser tous les casiers judiciaires. Du coup, la première chose à faire était de nous introduire dans le commissariat pour donner de faux ordres. En l'occurrence, aviser tous les postes de police de la ville d'aller chercher leurs ordinateurs auprès d'une certaine compagnie. En réalité, la société factice D'accord. que nous avions créée. L'étape suivante était de mettre la main sur ces machines pour que l'Opkovitz puisse œuvrer. Une fois les autres derrière les barreaux, les ordinateurs vireraient leur casier de la base de données. Enfin, Cesare se chargerait de trouver un truc louche pour faire chanter le directeur de la prison et garder notre évasion secrète. Don Cesare trouvait ce plan aventureux. Après quoi, il a lancé « Allez, au boulot !» Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'en gros, on va se retrouver en prison, là ? Le téléfax, c'est l'avenir. Au commissariat. Ah, il y a deux trucs. T'en vas la grue à l'eau. Port de commerce. Avant de le casse du musée, il vous faut un ordinateur par poste de police. Or, il vient d'en arriver. Tout un conteneur au port. Nouveau voleur, Volkovitz. Compétence de refus et bloqué, passe muraille. Qui débloque un outil. Fourche Tesla. Débloque un outil. Aimant en vidéo. Débloque un outil destructeur de capteurs. Trouver tous les trésors. Récompense 6000. Ah ouais, donc du coup, voilà. Après, je pense que ça va se rejoindre là. Il y aura deux trucs. Et on a encore... c'est comme des trucs de métro. Ça, c'est rigolo. Non, bah voilà. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode de Cooks. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message, vraiment. Parce que comme je sais que c'est un nouveau jeu que je fais sur la chaîne, je voudrais vraiment voir si ça vous plaisait. En tout cas, moi, vraiment, j'aime beaucoup. Et l'ambiance 70s, la musique et tout, je kiffe. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Je sais pas encore lequel je vais faire, mais... Je pense que je ferai les deux. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Salut !